ça c'est le pain qu'on va manger ce soir, hein, au repas de la Seine. Il a encore l'hameçon. Et barbé, j'ai oublié déjà. Une bête de 3,5 kg quand même. Allez, oui. Une délicatesse. Là, il n'y a plus rien à l'intérieur. Il est propre complètement, hein, d'accord. Ouais. Et j'ai décidé ce soir de le traiter le plus simplement possible, le plus humblement possible, à savoir avec du fenouil. Vous avez des grosses tiges de fenouil comme cela, là. Hein, ça, c'est du bon fenouil. Ouais, ça, c'est, je ne le sens pas vraiment maintenant, mais quand vous le rognez comme ça avec l'ongle, là, voilà. Oui. C'est sale, moi, sale comme il faut. Un petit peu d'huile, pepper. Un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'huile d'olive. Pas mal d'huile. De toute façon, on va l'arroser après en cuisson. Hein. Pas de soucis. Voilà. Il rentre. Ça rentre. Un grand poisson, ça rentre. Une bonne quantité de branches de fenouil. Oui. On va le brider maintenant. Voilà. C'est quoi le temps de cuisson là, pour un poisson comme ça, de cette taille? On verra ce soir, ça dépend, je pense qu'on va le mettre à une température constante de située entre 150 et 180, on va voir. Ensuite, on va le faire colorer en dernière minute, il faut au moins un minimum 45 minutes. C'est ce côté du poisson que vous avez choisi pour le présenter, si j'ai bien compris. Oui, on incise la peau le plus régulièrement possible. Pour favoriser la cuisson. Oui. Parce que c'est sympa aussi la présentation. Bah ça aussi c'est d'époque son poisson. Exactement. Voilà. En tout cas depuis tout à l'heure ce poisson il a une belle préparation. Ça prend du temps, hein. Et voilà, donc on l'enfournera tout à l'heure. Hein, et on va retourner à notre mise en place. Alors le poisson, voilà, le Christus, Ictus, le voici. Fantastique. Continue. Bravo, donc c'est impressionnant. Continue.